Chapitre 21. Ainsi, père nous avait une fois de plus donné le pion. Mais qu'y faire? La chasse était excellente et les cavernes étaient aussi confortables qu'on le pouvait souhaiter. Nous en avions pris tout un étage bien exposé, plein sud, avec du soleil toute la journée. Mais moi, j'étais exaspéré de voir que nos voisins, cette racaille, faisaient maintenant des feux partout, allant jusqu'à se permettre de nous rendre visite pour échanger des recettes de méchoui ou de chiche kebab à la manière du chef, voire de nous inviter à partager leur barbecue. Père prétendait que c'était des gens très plaisants. Et quand ils eurent mis le feu aux trois quarts de leur pâturage, il fit un geste nonchalant de la main et dit allègrement qu'il pouvait se produire des erreurs, même dans les meilleures familles. Il insista pour que nous leur accordions un permis de chasse d'un an et les invitations à venir courir le fenec sur nos terres. Bref, à aucun moment il ne fit preuve du moindre tact à l'égard d'une horde comme la nôtre, qui avait à maintenir son rang. Griselda en souffrait, et elle en ressentait de l'amertume. Elle avait fini par se persuader que nos ennuis avec le comité d'accueil lors de notre arrivée avaient été fabriqués de toutes pièces. « Je connais bien ton père et ses manigances », disait-elle sombrement. Et quand en effet je pense à Elsa, j'étais tenté de le croire. Du reste, selon elle, à supposer que nous eussions couru un réel danger, on ne pouvait pas plus mal s'y prendre qu'ils n'avaient fait. Si au lieu de leur montrer qu'il ne faut pas être sorcier pour faire le feu, disait-elle, nous leur avions fait croire le contraire, ces pauvres sauvages eussent été bien trop terrifiés pour oser nous attaquer. Ainsi nous aurions solidement établi notre suprématie morale et résolu du même coup cet irritant problème des aides ménagères. Je n'aurais pas à m'appuyer toutes ces corvées, soupira-t-elle, si ces affreuses mégères des bas quartiers devaient s'adresser à moi chaque fois qu'elles ont besoin d'une tranche de gigot. À plusieurs reprises, elle m'exhorta d'avoir mon père à l'œil. « Méfie-toi, disait-elle, il récidivera. C'est en train de devenir un vrai danger pour toute la horde. » Il me semblait que peut-être elle exagérait, mais pour finir, je dus bien reconnaître qu'elle avait raison. Car peu de temps après que nous eûmes fini d'emménager dans notre nouvelle résidence, père reprit ses expériences. Comme d'habitude, il n'en parlait jamais avant d'avoir réussi, et d'ailleurs des intérêts plus immédiats retenaient notre attention. Toby avait fondé une manufacture d'outils paléolithiques qui prenait beaucoup d'extension. Une douzaine d'ouvriers qualifiés travaillaient sous son contrôle, et malgré cela, ses bifaces et ses coups de poing ovalisés avaient un tel succès à travers toute l'Afrique qu'ils ne pouvaient suffire à la demande. Alexandre, lui aussi, développait ses décorations intérieures sur une grande échelle. Il avait mis au point toute une nouvelle gamme de pigments ocrés, et je soutenais que ces fresques exerçaient sur la chasse une influence plus efficace que les nouveaux lacets que nous posions pour culbuter le gibier ou les nouvelles sagaies à pointe de corne avec lesquelles nous les abattions. William, il est vrai, avait moins de chance dans ses tentatives de dresser les chiens pour la chasse. Du moins, ses efforts égayaient-ils le train-train quotidien. « Ce sera les chiens ou rien !» s'obstinait-il pendant que nous pansions ses membres ensanglantés sous des feuilles d'arôme. Et tentions de le persuader qu'avec des animaux aussi sauvages, son idée était une chimère. Douceur et fermeté, voilà la méthode, il n'y en a pas d'autre. Griselda avait introduit une façon de porter les peaux de bêtes qui avait un énorme succès chez les femmes. Elles allaient de grotte en grotte et c'était des, n'est-ce pas, du dernier chic, ou au contraire des « ce léopard perd sa souplesse » ou « mon singe perd ses poils, que peut-on y faire ?» à n'en plus finir. Oswald et moi désapprouvions profondément toutes ces sottises, naturellement, mais il va sans dire que notre opinion ne comptait guère. Et quand je l'exprimais, je ne faisais que m'attirer toujours la même réponse « Ne fais pas ton vania ». Mais nous prévoyions bien à quelle décadence nous conduirait de telles frivolités. Et de fait, aujourd'hui, si tout jeune gommeux se croit obligé de s'attiffer d'une feuille de vigne, où allons-nous ? Ainsi le temps passait. Et puis père, un beau jour, vint me trouver à la maison et dit « Viens avec moi, fils, j'ai quelque chose à te montrer. » Il y avait dans sa voix une note de triomphe retenue. Et j'en inférai aussitôt que nous allions nous trouver dans un pétrin vraiment sérieux. Nous traversâmes un bon morceau de forêt avant de nous trouver dans une clairière. « C'est mon petit atelier, » dit père sur un ton plaisant qui cachait mal une fierté intime. De petites piles bien nettes de sion, soigneusement rangées, étaient étiquetées avec les feuilles de différents arbres. « Un long boulot, comme tu peux voir, » dit père.
J'ai d'abord essayé le camphre, le santal, puis l'olivier, le robinier, le gommier, l'alisier, le cornier, le bois de fer et le campêche. J'ai même expérimenté l'ébène, le teck et l'acajou. Mes tout premiers essais, bien sûr, c'était avec le bambou. C'est lui qui m'a donné l'idée de base. Mais à l'usage, c'est de la camelote. Peut-être qu'il y a de l'avenir dans la construction, bien que personnellement, j'en ai horreur. J'ai encore essayé du figuier, du châtaignier et même de l'acacia, mais c'est seulement quand je me suis attaqué à l'if que j'ai compris que je tenais le bambou. Tout ce que tu vois là, c'est de l'if. Mais il faut tomber juste. Trop vert, c'est mou. Trop vieux, ça casse. Son élasticité s'améliore en séchant, de sorte que je n'en suis qu'au tout début. Pour bander l'arc, la meilleure corde, c'est encore le tendon d'éléphant, à la rigueur les stolons de l'orchidée muscade, et pour les flèches, tout bois droit et léger convient, tel que le bois de santal. Évite les bois trop lourds, ils ont un pouvoir de pénétration, mais c'est au détriment de la portée. « Mais de quoi parles-tu » demandai-je, quand je pus placer un mot. « De balistique, » dit Père, en toute simplicité. « Je sais, c'est un peu de bonheur, mais je voulais absolument pousser une pointe dans cette direction. » Toby vous a procuré le lacet, d'accord, et d'ici qu'Oswald, quand il aura des varices comme moi, tombe un jour sur le principe du boomerang, il n'y a peut-être pas loin. Mais ceci, c'est l'arme absolue. Tu veux que je te montre ? Et il saisit le premier arc qu'on n'avait jamais vu. Marc 1 était un bidule encore lourd d'eau et gauche, même raboté, ça se courbait irrégulièrement, et la corde mollissait constamment, mais enfin, ça tirait. Père envoya sa flèche à près de 50 pas. « On peut faire beaucoup mieux, » dit-il, ravi de ma stupéfaction. « Il faut tout le temps retendre la corde, mais essaye un coup. » Après quelques faux départs, j'envoyai sans le moindre effort la flèche à 40 pas. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» dit Père. Et songe-y, ce n'est encore qu'une simple maquette. « Les possibilités sont prodigieuses, pas, » dis-je sombrement. Je regardais le vieux avec tristesse. Cette fois, c'était la fin. Absolument la fin. « On va célébrer ça avec une grande fête, » dit Père. « Oui, c'est ça, » dis-je d'une voix pesante. Je pensais le faire voir à Oswald, c'est de son ressort plus que du tien, mais il est à la chasse et il fallait absolument que je le montre à quelqu'un, dit-il avec un bon rire. « Je lui en parlerai, » promis-je. C'est ce que je fis sans délai, et à Griselda aussi. Notre devoir crevait les yeux. Oswald s'y fit faire une seule démonstration et fut convaincu. Il était sans conteste le plus grand chasseur à des lieues à la ronde, courant plus vite et visant plus loin que qui que ce soit au monde. Il était orgueilleux à bon droit d'une supériorité qui établissait son prestige. Quand tout un chacun, grâce à papa, aura en main un de ces machins-là, tu seras au même niveau que toute cette vermine, ni meilleur ni pire, lui dis-je, et je n'eus rien ajouté. Il avait pâli. « Que diable a pu prendre à Père ? » commença-t-il. « Et tout de suite, qu'est-ce que nous allons faire ?»« Quoi que nous décidions, faisons-le promptement, dis-je. Souviens-toi du feu. »« Saint Thérodon, c'est trop affreux pour y penser. Il faut que tu songes à quelque chose, Ernest. J'y ai déjà songé. Et alors ?»« Alors, dis-je, il faut qu'au prochain tir d'essai, il se produise un accident. » Oswald devint tout blanc. « Tu n'es pas sérieux. As-tu mieux à nous proposer ?»« Non, mais quand même. Je sais, dis-je. Seulement réfléchis. C'est un vieil homme à présent, et de toute manière, il n'en a plus pour bien longtemps. Cela fait des années qu'il aurait dû prendre sa retraite, mais tu sais comme il est. Je t'assure, même pour lui, c'est une grâce à lui faire. Il sera beaucoup plus heureux dans l'autre monde, qu'il y joue avec ses arcs et ses flèches. Ça va leur faire un coup là-bas, j'imagine. Mais lui, qu'est-ce qu'il y perdra ? Quelques dures années dans le monde réel ? Il a de terribles varices, tu sais. Oui, dit Oswald lentement, je connais tes théories. Nous ne mourrons pas, nous passons. Et ce sera peut-être moins dur ainsi d'accomplir ce pénible devoir. Je n'aime pas cela, mais je crains que tu n'aies raison. Il faut protéger le public. « Bien, dit Oswald, le félicitai-je. Avec les responsabilités et l'expérience, il se développait bien, mon frère. Je m'occuperai de tout, dis-je.
et nous anéantirons cette infâme invention, dit Oswald en hochant la tête. Disons que nous la gardons sur la liste secrète, rectifiai-je négligemment. Pour faire plaisir à Père, Oswald proposa quelques menues retouches, comme de mettre des plumes ici et là. Père en fut enchanté. Une bonne invention, c'est du travail d'équipe, disait-il. Nous passâmes aux essais. Les premiers se firent avec succès. Mais quand ce fut mon tour, quelque chose dut se détraquer. Ma flèche s'était tordue, ou bien des plumes s'en allèrent. Et de son côté, Père courut sottement pour ramasser les projectiles. Il tomba sans un murmure. Il nous parut étrange que Père ne fût plus là pour nous faire un discours après le banquet. Mais j'étais sûr qu'il eût voulu que je dise quelques mots, et c'est ce que je fis. Je parlai des devoirs qui nous incombaient, celui de nous consacrer à la tâche de devenir humain, celui de suivre l'exemple qu'il nous avait donné à tous, celui enfin de tempérer le progrès par une sage prudence. Je le sentais en moi qui me dictait chacune de mes phrases, et qui me suggérait les conclusions. Je me rassis. On me félicita. Mère était inondée de larmes. « Tout à fait comme ton pauvre père, me dit-elle. J'espère seulement que tu seras un peu plus circonspect. » Telle fut la fin de père en tant que chair, mes garçons. Et c'était, j'en suis sûr, celle qu'il eût désirée, être oxy par une arme vraiment moderne et manger d'une façon vraiment civilisée. Sa survie fut ainsi assurée quant au corps et quant à l'ombre. Dans ce monde-ci, il vit en nous, tandis que dans l'autre, son ombre intérieure hache menu comme chair à pâté les éléphants de rêve. Quand une fois ou deux, vous l'aurez rencontré en dormant, il vous a intimidé, dites-vous. Mais vous voyez qu'il avait aussi ses côtés attachants. Nous aimions à penser qu'il fut, parmi les pithécanthropes, le plus grand des pléistocènes, et ce n'est pas peu dire. Je vous ai raconté son histoire, afin que vous sachiez combien nous lui devons tous, pour le confort et les commodités qui nous entourent. Il était porté davantage peut-être vers les idées pratiques plutôt que spéculatives, mais n'oublions jamais sa foi indestructible en l'avenir subhumain. Et souvenez-vous aussi que par sa mort, il a largement contribué à l'élaboration d'institutions sociales absolument fondamentales, telles que le parricide et la patrifagie, qui assurent la permanence de l'individu aussi bien que de la communauté. Quand vous passerez dans la forêt, pensez à lui, qui en fut l'arbre le plus puissant. Et peut-être qu'il vous rendra l'appareil. Mais ce n'est pas lui, non, qui a créé le monde. Qui l'a fait ? Cela, je crains que ce ne soit une toute autre question que je ne peux approfondir pour le moment. D'une part, elle est très compliquée et même controversée. Et d'autre part, depuis longtemps, pour vous, c'est l'heure d'aller au lit. Fin du Pléistocène.